Salut à tous. Pour cet épisode, on va aller chercher des fruits, des légumes et on va chercher le paresseux. Venez avec moi. Alors là, on va acheter des petits fruits, des petits trucs à grignoter pour notre petit paresseux. Hola. Hola. Just one. Un kilo. Non, kilo. One. Ah, uno. Uno, uno carota. Banana? No, this banana here. It's good. Combien each? Siete. Ok. Siete. Ok. Muy grande esta? No grande. Pequeño. Pequeña. Pequeño. Sí, ves. Siete. Yeah. Ok, ok, good. No, no. Mucho gusto. Gracias. C'est bon, on a acheté, maintenant on y va. Let's go. Là, on rentre dans la jungle. On va chercher le, comme il dirait, le perro soso, comme dirait au Costa Rica, donc le paresseux. J'espère qu'on va en trouver un rapidement. Alors, suivez-moi et on va voir ça ensemble. On a deux, une maman et son enfant, on a les deux. Une jolie maman avec son enfant, mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils sont perchés. Ils sont en pleine séance grattage, mais ils sont perchés, j'ai pas accès. Alors je vais quand même vous laisser profiter un peu des belles images là, mais je vais quand même essayer d'en retrouver des autres où que je puisse moi accéder plus facilement. Bon, j'ai essayé de l'appeler, j'ai essayé de lui donner à manger. Il veut rien savoir, lui. Voilà, qu'il se gratte, qu'il... Bref, on va continuer. En fait, ce que je vais faire, on va aller complètement de l'autre côté. On va aller complètement de l'autre côté et on va essayer d'en trouver un autre. Et en plus, si on a de la chance, on peut choper une autre race de paresseux, c'est plus intéressant. Comme ça, on aura les deux pour l'épisode. Vas-y, viens. Je vois pas bien si c'est un deux doigts, trois doigts. Alors ça, c'est un paresseux à deux doigts. Alors je vais sortir de la bouffe qu'on va lui donner gentiment. On va lui parler en espagnol, je crois que c'est mieux. Venga, venga. Alors le paresseux au Costa Rica, à savoir qu'il y a un gros problème ici. Des pauvres, il y en a beaucoup qui meurent à cause des câbles électriques. Ou alors, vu qu'ils sont maladroits, des fois, ils roulent. Et en plus, il y a le Costa Rica, il y a beaucoup de jungles. Ben même là, regardez, on entend la route. Et en fait, il y a beaucoup de jungles où il y a des routes qui séparent comme ça entre deux jungles. Ça fait que les paresseux, des fois, ils se baladent d'une route à une autre. Des fois, on voit même des... Ben, moi, je n'en ai pas vu, mais on m'a dit que des fois, on les voyait même morts en bord d'autoroute, les pauvres. Et ça, ils sont en train, bon, ils sont en train d'un peu bouger pour changer un peu le truc. Alors, le paresseux, il y a deux espèces différentes. Tu as le deux doigts et le trois doigts. Alors le deux doigts il vit côté Caraïbes et le trois doigts côté océan Pacifique. Et c'est comme ça qu'on les distingue des deux. Alors je vais essayer un maximum de me rapprocher de lui. En plus il faut qu'on fasse vite parce qu'au Costa Rica c'est interdit de toucher les animaux ou de faire quoi que ce soit. Alors si on me cale ça craint un peu. Là en fait je vais essayer de grimper à l'arbre pour m'approcher un maximum de lui mais sans l'effrayer. Bon en règle générale c'est pas craintif. Hein. C'est pas un animal craintif de l'homme. Ils sont plutôt cool, même en pleine nature ils sont plutôt cool. C'est une race paresseux qui porte bien son nom. Viens, regarde ce que j'ai pour toi. Viens. Ah, je crois qu'il m'a vu. Viens. Peut-être qu'il n'a pas faim, hein, parce que je ne sais pas. Regarde là. Là, ça y est, je crois qu'il vient vers moi. Là, je crois qu'il vient vers moi, ça y est. Viens là, viens. Non, il m'a fait une fausse joie. Là. Là, c'est feignant lui. Ah ouais, vraiment en mode relax. Hein. Ça y est, il se rapproche. Moi, je suis comme un dingue.
Viens. Viens là, viens. Regarde pour toi. Tiens, tout fraîchement payé du marché. Vas-y. Tiens. Tiens. Je vais essayer de monter un peu plus. Il m'aura bien fait galérer quand même pour le trouver celui-là. Je suis bien content de l'avoir trouvé. Tiens là. Viens. C'est enfin décidé à descendre. Tiens, regarde ce que j'ai pour toi. Regarde. Regarde ce que j'ai pour toi. Ah, c'est bon ça. C'est bon, il le prend. Il le prend. Il l'a pris. Il l'a pris. Vas-y, c'est cadeau, c'est cadeau. C'est cadeau. Ah, il l'a acheté. Ça, c'est pour toi, ça. Allez, prends-le, c'est pour toi. Il le prend, il le prend. Ouais, il l'a pris. Tu vois que je te mets bien. Je t'ai pas arnaqué, hein. Et là, il n'y a pas de zoom, les amis, hein. Il n'y a pas de zoom, hein. Bon, merci pour cet épisode, merci de m'avoir suivi. Et j'ai passé un moment incroyable. On va arrêter de le déranger, le pauvre, hein, parce que c'est. Voilà, s'il est dans la nature, c'est pas pour qu'on vienne le saouler. Et merci de m'avoir suivi, je suis encore ému du truc. Ça y est, j'ai présenté le paresseux, j'ai réussi. Après des heures et des heures de recherche, ça m'a fatigué. Mais on l'a eu. Et donc je vous dis merci et à bientôt pour le prochain épisode. Thibaut, je l'ai. Je l'ai, Thibaut. Waouh, gros. Et tu sais ce que c'est un...